Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice de suite numérique inspiré du journal régional La Voix du Nord. Voici l'énoncé. Un lanceur a à sa disposition une fléchette magique. Magique car en une seconde, elle parcourt la moitié de la distance qui la sépare de la cible. Le lanceur se positionne à 128 mètres de la cible et lance sa fléchette magique. En combien de temps la fléchette magique parcourra la distance qui la sépare de la cible? Si vous voulez résoudre ce problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo et nous allons résoudre ce problème dans quelques instants. Alors pour commencer, un petit schéma pour se représenter le problème. Donc ici, nous avons un lanceur, et la cible est ici à 128 mètres. Donc ici, LC est égal à 128 mètres. On va noter F indice K, les positions de la flèche. Donc F indice K, position de la flèche, au bout de K secondes après le lancer. Donc ici, F0, elle va se trouver dans la main du lanceur. Donc F0, c'est égal à L. F1, c'est, donc il doit parcourir la moitié de la distance qui les sépare de la cible, donc 128 divisé par 2, 64 mètres. F2, donc là il va rester 64 mètres, donc moitié, 32 mètres. F3, 16 mètres, etc., etc. Donc ici à chaque fois on va diviser par 2 la distance, donc ici vitesse en mètres par seconde de la flèche va être divisé par 2. On va noter UN. UN est égal à F indice N. F indice N moins 1. Pour N supérieur ou égal à 1, U1 est égal à F0 F1, donc FN moins 1 FN moins 1 F indice N. Donc F0, F1, 64. F1, F2, donc ça ce sera U2, c'est 32. En fait on passe d'un terme de la suite, donc UN c'est une suite, on va UN, tel que U1 est égal à 64, et on passe d'un terme au suivant en divisant par 2, 1/2 de UN. On va noter DN est égal à L. F indice N. L, F indice N. Si bien que, maintenant, DN, la suite DN, est définie de telle manière que D0 est égal à 0. Et, bien entendu, les points F indice 1, F indice 2, F indice 3 sont sur le segment LC. Donc, L indice F indice N, c'est F0, F1, plus F1, F2, plus F2, F3, eh bien ça c'est la somme DUN. Donc DN, somme de K égale à 1 jusqu'à N, de UN, avec UN, N supérieur à 1. Ici là, N supérieur ou égal à 1. Donc voilà, on a deux suites numériques. DN est la somme numérique de la suite UN. Et vous avez peut-être reconnu UN, une suite géométrique de premier terme U1 est égal à 64 et de raison 1/2. Alors sur un tableur, on va trouver les premières valeurs de la suite UN et DN, 0. Alors on commence par 1 ici, donc 7 ici jusqu'à 20. Donc on commence à 1 à 64 et on divise par 2 à chaque fois. Divise par 2, voilà, on étire, voilà, et pour D, si on est égal à 0, donc D1, ça va être ceci, plus H5, plus G6, voilà. 4, et on peut étirer, donc ça va faire comme ça, donc 64 plus 32, ça plus 16, ça plus 8, etc., etc. Alors, avec le tableur, on peut conjecturer que, bon,
déjà pour n est égal à 20, on arrive à 127,9998, mais est-ce que on va arriver à 128? Ce n'est pas très sûr. Donc, ici, conjecture, première conjecture, d'après le tableur, la fléchette magique n'atteindra jamais la C. On va montrer ça algébriquement. Bien, donc, UN, c'est une suite géométrique, et DN, c'est la somme des UN en progression géométrique. Donc, ici, c'est une somme géométrique. DN est une somme géométrique. UN, on peut l'écrire de la manière suivante. UN est une suite géométrique. Donc ici, premier terme, U1, 64. Attention, dans le... Là, on commence à U1. Donc ici, il faudra changer la puissance. 1/2 puissance N-1. Pourquoi ? Parce que là, on va commencer à U1. U1 est égal à 64 fois 1/2 puissance 1-1. Puissance 0, 1, 64. Donc ceci est bon. Donc il faut, bien entendu, changer la puissance. Alors maintenant, on va calculer donc dn. Dn, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, bien entendu pour n supérieur ou égal à 1. Somme de k égale à 1 jusqu'à n de un. Donc, on reprend l'expression en fonction de n. Somme de k égale à 1 jusqu'à n, 64 fois 1/2 puissance k moins 1, ici, attention, ici c'est k, uk. Maintenant, on peut dire que, ici, 64 fois a plus 64 fois b plus 64 fois c, eh bien on factorise par 64, 64 fois a plus b plus c. C'est égal à 64, somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1/2. Puissance k moins 1. Alors ici, on reconnaît donc q puissance n, somme des q puissance n, sauf que là, on n'a pas n, mais k moins 1, et là, on commence de 1 jusqu'à n. Donc ici, on va pouvoir faire un changement d'indice. Donc on va poser k est égal à j plus 1, j est égal à k moins 1, donc c'est 64 fois la somme de j est égal à 0 jusqu'à n moins 1, 1/2 puissance j. 1/2 puissance j. Maintenant, la formule somme k égale à 0 jusqu'à n des q puissance n, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Démarre à 0, mais ici on finit à n moins 1. Donc ici n plus 1, donc ça va se transformer en n. Donc 64 fois 1 moins 1/2 puissance n sur 1 moins 1/2. 1 moins 1/2 ça fait 1/2. 64 divisé par 1/2 c'est 2 fois 64, donc 128. 128 facteur de 1 moins 1/2. Puissance n. Ou encore, si on développe, 128 moins 128, 1 sur 2 puissance n. Mais ici, on a trouvé que dn est égal à 128 moins 128 fois 1/2 puissance n. Maintenant, n positif, 1/2 inférieur ou égal à 1, donc ici, 1/2 puissance n supérieur à 0. 1/2 puissance n supérieur à 0. Donc ici, 128 puissance 1/2 puissance n supérieur à 0. Ainsi, dn qui est égal à 128 moins 128 1/2 puissance n. Ça c'est positif, donc quand on retranche quantité positive à un nombre, eh bien c'est inférieur strict à 128. Dn est inférieur à 128. Conclusion, la fléchette magique n'atteindra jamais la cible. Et bien entendu, on peut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de dn.
est égal à 128 moins 128 1 demi puissance n. 1 demi puissance n tend vers 0. Tend vers 0 quand n tend vers plus infini. 128 fois 0, 0. 128 moins 0, 128. Donc limite quand n tend vers plus infini de dn est égal à 128. En temps infini, la fléchette magique atteindra la cible, mais comme l'infini n'est pas atteignable, la conclusion finale est que la fléchette magique n'atteindra jamais la cible. Donc maintenant, on considère UN et VN de suite définies de la manière suivante. U1 est égal à 64, UN plus 1 est égal à 1 demi fois UN, et VN est égal à 1 sur UN pour N appartenant à N étoiles, donc N supérieur ou égal à 1. Un lanceur a à sa disposition une fléchette magique. Magique car toutes les secondes, elle alterne sa vitesse. Elle parcourt UK mètres en une seconde, puis VK mètres dans la seconde qui suit. Avec K prenant la valeur de 1 jusqu'à N. En combien de temps la fléchette magique parcourra la distance qui la sépare de la cible? Vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez résoudre le problème. On va donner une correction dans quelques instants. On va reprendre donc le schéma précédent. Voilà. Donc ici on a le lanceur. Lanceur. La cible est là-bas, elle est à 128 mètres. LC est égal à 128 mètres. Ensuite, F0, c'est 0. Donc F1 prend U1 est égal à 64. Donc ici F1, 64 mètres. F2, 1 sur 64. Donc ici F2, il est ici. F2, F1, F2, F1, F2 est égal à 1 sur 64 mètres. Ensuite, 32 mètres, F3, F2, F3, 32 mètres, F4, 1 sur 32, F3, F4, 1 sur 32. Donc on va noter Wn, tel que W1 c'est U1, W1 U1, W2 V1, W3 U2, W4 V2, etc., etc. Donc ici, l'expression de Wn, Wn, eh bien c'est Wn-1 égale à Un et W2n égale à Vn avec n supérieur ou égal à 1. Donc on peut vérifier U fois 1, 2, moins 1, 1, W1 est égal à U1 et W2 égale à V1. W2 est égal à V1. N est égal à 2, W2 fois 2 moins 1, W3 est égal à U2, W4 est égal à V2. Donc, Wn est défini de la manière suivante. Alors, on va noter S indice n, S indice n, la somme, donc somme partielle, S0 égale à 0, et S indice n, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, des W. Alors, sur le tableur, on va faire ici n, on va mettre quelques valeurs, on va dire jusqu'à 40. Voilà. Alors on va noter U, V et W. Alors U, ben c'est alors U1. On va laisser en U1. C'est comme ça. 64. Et ensuite on divise par 2. On va aller jusqu'à 20. V. Eh bien, c'est 1 sur U. Donc, 1 sur U, ici. Voilà. Pour ce qui est de W, donc on va mettre 64. Ici, on peut mettre 1 sur I4. Voilà. Ici, on met ça divisé par 2, etc., etc. Et normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Voilà, 16, 32, 16, etc., etc. Donc voilà, donc le terme de W,
Donc ici, on prend l'inverse et on divise par 2 les deux termes précédents. On l'inverse, on divise par 2. Voici donc les termes de W. C'est maintenant D, c'est égal à 0, c'est égal à la somme. Donc ici, ça plus ceci. Et ensuite, on peut faire. Et vous voyez ici, on dépasse 128. On dépasse 128, donc ici en 14. Donc D14 dépasse 128. Donc ici, on peut conjecturer qu'au bout de 14 secondes, la flèche atteindra la cible. La flèche atteindra la cible. Maintenant, on va le démontrer algébriquement. Alors, démontrons algébriquement que S14, ici c'est S14, montrons que S14 dépasse 128. Dépasse 128. Alors avant cela, on va démontrer que Vn est égal à 1 sur Un, est une suite géométrique, sachant que Un, vous voyez, c'est une suite géométrique de premier terme U1 est égal à 64 et de raison 1/2. Alors, Vn, suite géométrique. Alors, Un est une suite géométrique. Donc, Un, suite géométrique de premier terme. De premier terme, U1 égale à 64 et de raison 1/2. Alors maintenant, on va montrer que Vn est une suite géométrique. Vn plus 1 est égal à 1 sur Un plus 1. Eh bien, c'est 1 sur Un plus 1 est égal à 1/2 fois Un. 1/2 fois Un. On peut utiliser la propriété suivante. 1 sur AB est égal à 1 sur A fois 1 sur B. Donc ici, 1 sur 1/2 fois Un, c'est 1 sur 1/2 fois 1 sur Un. 1 sur 1/2, l'inverse de 1/2, c'est 2. 2, 1 sur Un, et bien c'est Vn. Bon, 2 Vn. Ainsi, Vn plus 1 est égal à 2 Vn. V1 est égal à 1 sur 64. Donc ici, conclusion. Vn est une suite géométrique. Suite géométrique de premier terme. V1 est égal à 1 sur 64. Et de raison 2. Revenons sur S14. S14, on peut l'écrire de la manière suivante. C'est 64 plus 1 sur 64. 64, 1 sur 64. 32, 1 sur 32. Plus 32, plus 1 sur 32. Plus 16, plus 1 sur 16. Plus 8, plus 1 huitième. Plus 4, plus 1 quart. Plus 2, plus 1 demi. Plus 1, plus 1. On vérifie qu'on a 14 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est bon. On va réordonner S14 par ordre décroissant des termes. Donc ici, 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Plus 1/2, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 seizième, plus 1 trente-deuxième, plus 1 soixante-quatrième, plus 1. Mais S14, ici, on reconnaît 64, 32, plus 16, plus etc. Eh bien, c'est la somme de 64 fois 1/2 puissance, 1/2 puissance k, pour k allant de 0 jusqu'à 12. Et bien entendu, on va ajouter ici 1. Or ça, k égale à 0 jusqu'à 12 de 64 fois 1/2 puissance k, et bien c'est somme de j est égal à 1 jusqu'à 13 de 64 fois 1/2 j moins 1 plus 1. Donc ça, c'est égal à
D13 plus 1. D13, on avait calculé en fonction de n, c'était 128 moins 128, 1 demi puissance 13. 128 moins 128, 1 demi puissance 13 plus 1. Donc ici, 129 moins 128, 1 demi puissance 13. On va pouvoir calculer 1 demi puissance 13. 1 demi puissance 1 demi puissance 13, c'est 1 sur 8192. Donc ici, 129 moins 128 sur 8192. Or, 128 inférieur à 8192. Donc 128 sur 8192 est inférieur à 1, donc positif bien entendu. Et donc, ça, c'est supérieur à 128. Donc ici, S14 est supérieur à 128. Ainsi, la fléchette magique atteindra la cible au bout de 14 secondes. Un lanceur a à sa disposition une fléchette magique. Magique car en une seconde, elle parcourt la moitié de la distance qui la sépare de la cible. Le lanceur se positionne à 128 mètres de la cible et lance sa fléchette magique. On note Rn, la distance qui sépare la fléchette à la cible, au bout de n secondes. Ainsi, R0 est égal à 128. Soit K supérieur ou égal à 1. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que Rn est inférieur ou égal à 1 sur K. Si vous voulez résoudre ce problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Nous allons le résoudre dans quelques instants. Alors, on va introduire donc la suite Rn, cette distance qui sépare la fléchette à la cible au bout de n secondes. On va reprendre donc les notations du premier problème. Donc, Un, vitesse de la fléchette au bout de n secondes. Dn, la distance parcourue par la fléchette au bout de n secondes. Et donc là, on va noter Rn est égal à 128 moins Dn. 128 moins Dn. Avec bien entendu n supérieur ou égal à 1. Donc Rn, distance restante à parcourir entre la fléchette et la cible. On peut reprendre le tableau précédent. R égale, donc ici, 128 moins ceci. Donc, si on prend k égale à 4, on va tester si Rn est inférieur à 1 quart. Donc ici, on a faux. Donc ici, on va colorier en rouge si c'est faux. Et en vert si c'est vrai. Ici, condition. Donc égal à faux. Voilà. Donc en rouge, et on ajoute si c'est vrai. Donc si c'est vrai, alors on colorie en vert. Et voilà, donc, c'était inférieur ou égal. Si inférieur ou égal. Descendre, donc ça va être plutôt ici en n est égal à 9. Donc à partir de 9 secondes, la fléchette atteindra la cible. Donc voilà pour le tableur, mais on pourrait faire un algorithme, on appelle un algorithme de seuil, pour
on va entrer donc une valeur de k, et ensuite il va nous, l'algorithme va nous indiquer quand est-ce que r indice n inférieur ou égal à 1 sur k est atteint, donc la plus petite valeur de n, telle que rn inférieur ou égal à 1 sur k. Et on va créer un programme, hein, seuil k u d r n, et on va retourner n. Donc, au début, u égale à 0, d égale à 0, r est égal à 128, et n est égal à 0. Tant que r inférieur ou égal à 1 sur k. Faire. Donc, u, c'est 64 fois 1 demi puissance n. Ensuite, d plus u. Donc, c'est la somme des valeurs de u. R, c'est 128 moins d. Et n, c'est n plus 1. F tant que. Et on retourne n. Très bien. Ok. Maintenant, seuil 4. Donc, tant que supérieur à 1 sur k, entendu. Donc, seuil 4, 9. Donc, on retrouve bien les valeurs qu'on a trouvées sur le tableur. Donc, voilà. Donc, tableur plus un programme. Maintenant, donc, on va résoudre l'inéquation suivante. Donc, Rn inférieur à inférieur ou égal à 1 sur k. Donc Rn, c'est 128 moins dn, qui est inférieur ou égal à 1 sur k. Et dn, c'est 128 moins 128, 1 sur 2, puissance n. Moins 128, la parenthèse, fois 1 sur 2, puissance n, inférieur à 1 sur k. 128 moins 128, ça simplifie. Moins plus 128, 1 demi puissance n, inférieur ou égal à 1 sur k. On divise par 128, 1 demi puissance n, inférieur ou égal à 1 sur 128 puissance k. Pour mettre la puissance en ligne, ici, n fois quelque chose, on va utiliser la fonction logarithme, ln, de 1 demi puissance n, inférieur ou égal à ln de 1 sur 128 k. Or, ici, propriété, ln de 1 sur a, avec a différent de 0, bien entendu, est égal à a différent de 0 positif, donc a strictement positif, moins ln de a. Donc ici, c'est seulement si ln, donc ici on peut mettre aussi la propriété ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Donc ici, n, ln de 1 demi inférieur ou égal à moins ln de 128 k. Donc là, on va pouvoir diviser par ln de 1 demi. Ln de 1 demi, bien entendu, est négatif. Donc, on va pouvoir changer le signe de l'égalité. N supérieur ou égal à moins ln de 128 k sur ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Donc, ici, n supérieur ou égal à, on peut simplifier les moins, ln de 128 k sur ln de 2. Ici, ln d'un produit est égal à la somme des ln, donc on ne pourra pas simplifier
cette fraction. Et donc, ici, n supérieur ou égal à ln de 128k sur ln de 2. Ainsi, donc ici, on arrondit ln de 128k sur ln de 2 à l'entier supérieur. Et cette valeur, à partir de n est égal à cette valeur, l'inéquation rn inférieur ou égal à 1 sur k est vérifiée. Maintenant, k égale à 4, notre exemple, k égale à 4, donc ici rn inférieur ou égal à 1 quart, c'est seulement si n supérieur ou égal à ln de 128 fois 4 sur ln de 2, c'est égal à ln de 512 sur ln de 2. Ici, trouver n tel que 2 puissance n est égal à 512, 2 puissance n est égal à 512, et ça, n c'est égal à 9. On peut vérifier ln de 512 sur ln de 2, eh bien c'est égal à 9. Donc à partir de 9 secondes, il restera une distance inférieure ou égale à 1 quart pour que la fléchette donc atteigne la distance fléchette cible au bout de 9 secondes est inférieure ou égale à 1 quart.